Bon ben, on a reçu un coup de fil de Paul hier soir. Il s'est blessé le poignet. Donc là, je vais me préparer pour aller porter un petit coup de main à mon frère. Fait que là, je m'apprête d'appeler pour aviser tout le monde, Véro, ma mère, et puis que les nouvelles sortent un peu, mais on veut pas sortir les nouvelles publiquement tant que aussi longtemps qu'on n'a pas vu exactement qu'est-ce qu'il y en est. Paul il dit que il a glissé dans les rapides, donc il a empêché qu'il se tombe, puis il s'est pété le poignet. T'as pas beau avoir hier soir apparemment, mais il dit on va évaluer ça de jour en jour. On est le 31, fait que c'est une journée où ce qui bougera pas beaucoup. Moi, je vais me préparer pour aller le chercher. Possiblement qu'on va l'amener à une clinique qui fasse faire un petit plâtre en fibre de verre afin qu'il puisse continuer à pagayer. Sinon, ben écoute, on rentre, puis c'est une belle essai, mais on peut pas vraiment souligner assez la déception. Paul, c'est 6 mois de vacances qu'il a planifié pour, son rêve, depuis longtemps, je veux dire. Et puis, comme c'est là, on voit ça un peu s'évaporer. C'est pas quelque chose que moi, j'aimerais voir pour lui. Avant qu'il y ait une autre chance de vacances de 6 mois ou assez longtemps pour reprendre la route, ça peut être fini pour lui, puis c'est un rêve qu'il n'aura jamais réalisé. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver une solution afin qu'il continue. C'est quand même qu'il arrête 2-3 jours, et puis il reprenne la rivière, et puis qu'il continue au lac des deux montagnes. Donc, il y a beaucoup d'options. On essaie de rester positif à propos de tout ça. Bon, je viens d'avoir un petit coup de fil de mon frère. Tout est bon. Son poignet, il est gonflé. Et puis, ben c'est ça. Il va rester en place, là, au bord du lac Simard. À l'embouchure de la rivière des Outaouais. Il va rester là un autre 2 ou 3 jours. Moi, ma première impression, c'est que, ou la première instinct que j'ai, c'est d'aller le voir là. Donc, je monterai demain matin, à cette bonne heure, puis peut-être arriver là pour midi. Et puis voir comment est-ce qu'il est son plan. Puis, faire un rapport à tout le monde. Donc, c'est un peu ça. On s'en ligne là, pour décoller demain. Fait qu'on vient de se faire dire qu'il y a 6 pieds de vagues sur le lac. Fait que moi, Mike, puis Joe, on va attendre. On va attendre pour savoir si Paul est en haut, à l'aval ou en amont. Une fois qu'on le sait, bon ben, on va louer un bateau, on va aller le chauffer, mais là, avec des vagues de 6 pieds, il n'y a pas grand-chose qu'on va être capable de faire avant que ça, le vent se calme. Donc, on va attendre. C'était juste le tonnerre, c'était le fond. Ah, ok! T'avais mis l'air blanc. Là, mec. Hein? C'est d'être là, je m'en vais. Il n'y avait personne. Non, ça c'est des canchettes. Ouais, c'est ça, j'ai eu d'envie. Il n'y a rien dedans. Ah ouais? Ah, c'est bien clean. Ça fait 3 mois que c'est pour les plages. Fait que c'est ça, eux autres, ils vont nous rester ici pour une couple d'heures. Du bon monde, ici. Du bon monde, du grassy narrow. Mais là, ouais, ton bras, le prince. Ouais, on m'a gagné un peu, enflé pas mal. Mieux qu'avant. Mieux qu'avant? Ouais. Au moins ça bouge. Sanctuaire à Paul. C'est 3 jours là. 3e journée ici. Des bleuets en masse pour manger.
and Rimeuse de Bellevue. Je peux pas demander mieux ici. J'ai commencé à perdre de... Ah là ouais, ton adrénaline avait baissé là? Ouais, là il y avait le gros vent puis le tonnerre en arrière qui arrivait. Ah oui, c'est vrai, il y a ça, il mange dans le gros, mais ça venait. Ah oui, il y avait une tempête qui s'en venait? Ouais, il avait mon dos. Oh! Quand j'arrivais ici, j'ai vu qu'il y avait personne, j'ai monté, puis loadé mon stock, 5 minutes après, il y avait... Ah ouais? Comme des femmes. Ah ouais. Juste à temps. Ça a fermé à l'eau, ça-là? Là? Ben, ça a commencé à rougir ici le soir même, puis là. Puis après, le lendemain, un petit peu ici, puis là, ça a commencé à baisser, là, ça a arrêté ici, puis ça commence à être moins rouge. OK, ça fait que ça a guéri un peu. Ouais. Mais l'ampleur est au roi, regarde ça, ta barouette. Ça a l'air d'une patte de... patte d'ours. Ben, je pouvais pas faire ça avant. Ah, non? Et que ça améliore? Ouais. On laisse montrer qu'il est dans bonne shape, on est bien content. Mais par contre, il y a de la bague en tabarouette. Il fait pas beau, mais on est bien. Quand on voyait, mais pas là.